Salut tout le monde, c'est Romain Lovray. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque le hack a une nouvelle recrue. Il s'agit de Aloïs Confet. Alors c'est parti, on en parle. Aloïs Confet, milieu de terrain à caractère plus défensif de 25 ans. Il a notamment été formé à Troyes, il a joué à Troyes de 2015 à 2018, il a joué au Mans de 2018 à 2020 et plus récemment il a été joué en Chypre de 2020 à 2021. Il a évolué à Nea Salamina, excusez-moi de la prononciation, et puis 2021 il était à l'Olympiakos Nicosie. Donc qu'est-ce que je pense de Aloïs Confet? Est-ce une bonne recrue? Est-ce un échec? Pour le moment, on ne peut pas définitivement dire que c'est un échec puisque le joueur n'a même pas encore joué, mais je dois avouer que c'est pas le genre de milieu de terrain destructeur que je m'attendais, honnêtement. Je suis un petit peu déçu. Je sais pas. Je peux pas juger avant de ne pas l'avoir vu, mais je sais pas si c'est une bonne opération. Honnêtement, je le connais pas vraiment, donc je peux pas vraiment le juger. Mais quand tu vois pour le moment sa carrière, ouais, ça me laisse un petit peu à désirer. Je suis pas ultra optimiste. Maintenant, je lui souhaite la bienvenue au club, bien évidemment. Et j'espère qu'il saura nous faire vibrer et faire tout simplement ce que le coach lui demande et ce que les supporters lui demandent, c'est-à-dire apporter un plus à l'équipe et faire en sorte que l'équipe tout simplement se renforce et devienne de plus en plus fort. Mais j'ai toutes les raisons d'en douter. Ce qui me fait douter, c'est évidemment pas son âge, parce que 25 ans, c'est un âge qui est plutôt bon. Ça veut dire que ça reste un joueur qui reste dans des âges positifs où il peut encore progresser, tout ça. Mais bon, voilà, il est quand même parti en Chypre, alors voilà. Même au Mans, c'était pas une grosse équipe du Mans, hein, où il jouait au Mans. À 3, c'était convenable, hein, on avait quand même les stacks de 3, c'est vrai que c'était pas mal. Après, il était formé là-bas et tout, donc c'est logique qu'il a joué avec 3. Mais je sais pas trop, ouais, je sais pas trop. Dites-vous. Exprimez-vous dans les commentaires, si pour vous c'est une bonne opération ou pas. Moi en tout cas je ne peux pas réellement juger, je ne le connais pas vraiment. Je dois avouer que c'est pas le genre de milieu de terrain destructeur tel qu'on nous a vendu, que je m'attendais honnêtement. Je m'attendais à beaucoup mieux en termes de milieu de terrain destructeur. Quand on dit milieu de terrain destructeur, est-ce que c'est lui? En tout cas, moi je pense pas que c'est lui, hein, parce que... Enfin, je sais pas. Après, je peux pas dire qu'il est nul, je peux pas dire qu'il est bon non plus. Les performances, ce sera sur le terrain. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, pour vous annoncer l'arrivée de Aloïs Confet. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue au club, même si c'est pas forcément le nom de joueur que je m'attendais. Je souhaite évidemment quand même la bienvenue. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve samedi pour l'avant-match de la prochaine journée de Ligue de BKT avec une belle affiche entre Saint-Etienne et le HAC. Alors, à très bientôt.